Comme les patineurs artistiques et les perruches, les humoristes sont de drôles d'oiseaux inséparables. À l'instar d'Eric et ramzy Kadeo, euh, Omar et Fred, Elie et Franck, Charlie euh, et Dino, les frères Taloch, Las, Valet et Chevalier, ils écrivent à quatre mains et partagent l'affiche depuis près de 30 ans sans avoir besoin de faire appel à d'autres comédiens, même pour interpréter les femmes et les enfants. Ils font tout eux-mêmes hein. lorsqu'ils interprètent des histoires de famille comme dans leur film. Qui sort en DVD Fiel, mes voisins. Leur duo comique remplit les salles de spectacle partout en France, même s'ils sont attachés viscéralement à leur enracinement en toulousain. Et leurs prestations font même grimper les audiences de la TNT, si bien que France 4 en réclame encore plus. Ils démontent le Zénith en direct, c'est le 1er juin prochain, euh, sur France 4, justement, à oui. 20h35. Avec nous ce matin, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Bonjour. Merci. Et merci. Mais merci à vous d'être avec nous ce matin, sorti en DVD donc de fiel mes voisins. Ces deux familles, l'une qui a gagné au loto, l'autre qui s'est ruinée. Voilà. Euh, on va pas dire comment, mais bon, <laughs> c'est une histoire de crocodile. Euh, oui, ouais. Et, voilà. Et dont vous interprétez tous les rôles. Oui. c'est nouveau, c'est-à-dire. Oui, femme, on le enfants. fait aussi au théâtre, euh, dans oui. une pièce qui s'appelle Vacances d'enfer, et qui avait cartonné l'année dernière euh, au gymnase. Euh, et on aime bien. Ouais, c'est quand oui. même vraiment marrant. Mais en fait, cette affaire, elle vient qu'on allait sans arrêt des réunions avec des gros producteurs où on devait monter des grosses pièces de théâtre ou des films avec machin, un truc. Et oui. tout le monde s'engueulait, personne n'était jamais prêt. Un jour, on est sorti, je me suis énervé, j'ai dit Francis, on le fait le film, on fait tout. Oui. Voilà. Ça, on et... sait que nous, on y sera. Bon, C'était un peu, peu inconscient comme Paris parce que. Faire tous les rôles, c'est des heures et des heures de maquillage, évidemment, pour ouais. interpréter tous les rôles. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on s'était un peu laborieux, le tournage. Oui. Voilà. Mais par mais, contre, on s'est bien amusé. Mais amusés. vous êtes bien amusé. Ah, ouais, ouais, oui, ouais, mais ouais. ça ouais. nous pose des problèmes dans nos familles, pour nos enfants, qui ah. commencent à avoir des doutes ah. sur nos identités <laughs> sexuelles. Mais, mais vous les rassurez, j'imagine. Ouais. Mais, mais c'est euh... vrai que le meilleur moyen de s'entendre avec ses voisins, c'est encore d'être mais... seuls, tous les deux. À propos d'identité sexuelle, vous portez votre alliance au petit doigt, ça veut dire quoi Que j'ai un doigt trop gros, si je peux me permettre. Ah, voilà. Charlotte essaye. Non, mais moi, je me demande, j'observe, c'est ouais, comme ça, oui. je me demande si vrai, ça ben a non. une signification. Mais, non, mais non. La, bague, la bague ne grossit pas avec <laughs> le doigt, <goût. rire> Charlotte. Je n'ai pas ce problème. Je ne regrette pas d'être à côté d'elle. Oui, elle est pas mal. <laughs> c'est hein. que ah, les le débuts. Hein. Malheureusement, <laughs> oui, vous a... après, ça chauffe un peu. Mais vous allez voir, hein. malheureusement que de la radio. Euh, <laughs> vous vous êtes inspiré de faits réels pour, pour créer ces familles Ouais, bah, tout ce oui, qu'on bah, fait, c'est ce qu quand oui. même... Euh, oui. inspirer des gens que vous rencontrez. Là, on est en train d'écrire un truc sur un mec qui présente une grosse émission de radio. Il oui, euh, et et <laughs> bah, y, y en a des trucs à dire. <laughs> Est-ce que... Euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que vous regardez par le trou de la serrure. Vous arrivez oui. à capter euh, ce qui se passe dans les familles. Oui, c'est à ça qu'on sert, d'ailleurs. <laughs> euh, à, à dire en... En en, fait, en dédramatisant, en disant des, des choses, quand même, si possible. Euh, si possible. C'est vrai, le, le grand pied pour nous quand on est sur scène, c'est quand dans la salle, on entend du fond de la salle quelqu'un qui dit... Exactement toi ou c'est exactement ça. Ah oui, <laughs> Là on se dit ouais, commence voilà. à s'engueuler. Voilà. Vous passez une bonne soirée, pas eux. Euh, <laughs> ça va mal finir pour eux. Alors vous êtes en tournée avec votre best dans toute la France mm -hmm. et vous prenez le temps le 1er juin de démonter le Zénith comme je l'ai dit à 20 c'est le titre à 20h35 en direct sur France 4. Mais en fait vous le ferez à domicile. Enfin, je veux dire, quand je dis à domicile, c'est pas chez vous, mais euh, à, à, Toulouse. à Toulouse. Oui, mmh. oui, tout à fait. Ben oui, c'est un peu ben, la clôture de la tournée. Voilà, donc, euh... on a fait un mois à la Cigale euh, cet hiver à Paris mmh. et en tournée dans toute la France. Et c'est une euh, façon ouais, voilà, de, de finir la, la tournée par euh, le retour à la maison. Mais c'est un, spect un spectacle qui a été complètement réécrit ou, oui. ou réaménagé pour France 4 <coughs> Non, non, enfin oui, oui et non. Disons qu'il y a des, 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 des vieux sketchs qui ont été refaits, des tout nouveaux sketchs que personne n'a vus, c'est un grand, mmh. grand show hein, qui fait deux heures euh, et deux des heures et quart. Ah oui, Deux et quart. D'ailleurs, à la Cigale, c'était ça que ça faisait. Ça faisait deux heures et quart. Et ça fait une moyenne avec les artistes qui font 1 heure 10 et qui se barrent en courant. Euh, mmh. Nous, on aime bien ça. Donc, euh, bon, voilà. Non. Et euh, voilà, c'est la voilà, manière de finir la tournée qui ne finit pas, en fait. Hein, parce qu'après, on enchaîne euh, avec, je, je sais pas combien. Tout le mois de euh, juillet. Oui, toute l'année prochaine. Euh, et le donc. Festival d'Avignon. Mais bon, voilà. c'est ça. Parce que l'été, vous êtes forcément sur les planches. Oui. D'autant que oui. l'un possède un théâtre... À à Toulouse et l'autre à Avignon. Oui, en fait, euh, tous non. les deux à Toulouse et oui. Eric à un festival. Ah, Moi, j'ai piqué Avignon. du blé dans la caisse, donc j'ai à acheté la. la, de la à <laughs> mais du coup, vous êtes tout le temps. On euh... oh, est vous l l tout le temps au boulot. Vous écrivez tout le temps, c'est incroyable. Oui. J'écris que... pour d'autres gens aussi. Mais travailler plus pour oui. gagner oui. plus, c'est terminé. C'est exactement Non, hein. mais ça, je On partage maintenant. On partage. Non, mais oui, j'ai coécrit Chantal Latsou. Oui. J'avais fait le One Show de Galabouille avant, mais j'écris surtout pour les chevaliers parce que c'est ça le mieux pour nous à faire. C'est vous avez écrit la question que je vais vous lire tout à l'heure. <laughs> non, mais par contre, on veut bien toucher les droits. Euh, c'est pas mal. Oui, parce que ça... alors, alors, vous êtes en tournage aussi, de, je crois, de l'adaptation de votre pièce Repas de famille, qui a est un succès. Alors là, oui. Repas de ben, famille, je crois que ça a duré près de 5 ans. Oui. Le, le, le tournage attaque un... en septembre. En septembre. Ouais. Et là, vous ferez tout tous aussi. aussi non, 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 non. non, 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 non c'est un vrai film. Vous y êtes. Mais on sans... <laughs> <Voilà, bon>, euh, <laughs> m'a encore je rien dit. Non, vous avez pas dit non. c'est ça. Mais en, en fait, vous vous, c'est très artisanal votre organisation, non Ou c'est devenu non. Bah C'est-à-dire ce que... que dès le départ, oui, on est quand même assez indépendant et oui. on a, voilà, on a fondé notre ouais. boîte de production très rapidement et on a fait un choix aussi, c'est de, de, ouais. de rester vivre à Toulouse et, et de ouais. travailler quand même à Paris, puisque on, on fait les Voilà, on, est, on, on fait connaît les hôtesses par leur prénom ouais. Ah oui. Ouais. Mais les hôtesses, les hôtesses de quoi De l'air. De l'air. Voilà. Elle, c'est elle, c'est Charlotte. Je vous embrasse. Moi, c'est Charlotte. <laughs> Charlotte, c'est. Euh, c'est quoi Vous vouliez dire quoi non, Rien, ah, j'ai dit c'est le cul de l'émission. Le cul, c'est ça Oui, oui d'accord, oui, c'est oui, exactement oui. ça. Il faut bien prononcer. Et un tiers, <laughs> Vous passez un tiers de votre temps à Paris, un tiers de votre temps en à Toulouse, toulouse, toulouse et, 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 le et le un tiers en tournée. Oui, ouais, ouais. à peu près, ouais. Ouais. Et, euh, ah, Oui, on avait ce sentiment d'indépendance au début. Bon, franchement, ça n'a pas été très simple parce qu'il euh, y a quand même des producteurs mmh. en place qui ne nous ont pas non plus tous euh, accueillis avec joie parce qu'on n'avait pas besoin de d'eux. Enfin, on pensait qu'on n'en avait pas besoin. Mais en fait, on travaille avec beaucoup de gens, on collabore. Mais C'est vrai qu'on voulait tenir un peu. Euh, vous êtes un choisir, oui, vous, vous décidez de votre destin. Oui. Alors, nous, bah on, nous va on va, partir va partir décider de la pause. Voilà exactement, Alors et on le va le retrouver moment. notre impertinent du jeu.